tous, on est toujours sur la curieuse. Vous pouvez voir que ça bouge pas mal. Et les conditions difficiles dont on nous parlait sur le mont Lapérouse, ça y est, sont arrivées. J'avoue que hier, on commençait à se dire, ouais, les mecs, c'est des marins des tropiques, la grande mer. En fait, si, quand même. Ça peut être un fou de bon, en tout cas, on ne peut pas vraiment plonger. De toute façon, le ciel est tout noir, donc il n'y a pas assez de lumière à grande profondeur. Ça bouge pas mal. En fait, c'est plus calme que les jours passés. Et donc, on a décidé, au bout d'une semaine, où je pense qu'on avait tous ça en tête, mais on n'osait pas se l'avouer, d'aller faire une plongée de nuit. Le soleil est en train de se coucher, il a même déjà disparu. Donc ce soir, on va aller faire une plongée de nuit sur le mont Lapérouse, sur le sommet, c'est-à-dire dans la zone des 60 mètres. On va peut-être limiter un peu la décompression parce que des longs paliers dans le noir, il faut reconnaître que c'est un peu inquiétant. On ne connaît pas assez les lieux pour être vraiment totalement en confiance. On a quand même vu des gros requins les premiers jours. Mais si on a décidé d'aller plonger de nuit, c'est pas par fanfaronnade pour jouer, pour se faire peur. Parce que de toute façon, on a peur, déjà, on a peur d'aller plonger de nuit ici. Mais c'est parce que ça a du sens, parce que ce mont Lapérouse, on ne le connaît pas bien. On ne le connaît pas bien de jour, alors a fortiori de nuit, on ne le connaît pas du tout. Et la nuit, évidemment, il y a quand même beaucoup d'animaux qui ne sortent que la nuit. Je pense aux mollusques, aux crustacés. Et ça serait intéressant de voir cette composante-là. Voilà. J'espère qu'on va avoir un petit échantillon. Je ne me fais pas trop d'illusions, il y a beaucoup de courant. Il y a quand même des chances qu'on rate le site, tout simplement. Déjà, si on ne rate pas la plongée elle-même, et si on n'est pas dérangé pendant les paliers dans l'obscurité par des gros animaux, ça sera déjà bien. Et puis voilà, et puis le bateau, lui, s'inquiète de nous retrouver de nuit, mais en fait, il n'y a rien de plus simple que de retrouver un plongeur la nuit quand il a des éclairages. Et on a beaucoup de lumière. À bientôt, bye bye.